Ouais, elle est belle celle-là. Celle-là elle est bien. Ah mais oui. Celle-là. Avec sa BMW 135i coupée dans un régionaux L2, il se bat contre lui-même. Et ça y est, c'est fait. C'est parti pour la troisième et ultime manche course de cette fabuleuse édition 2022 de la course de côte. La Roche-Labéra, deuxième manche du championnat suisse de la montagne. Et ça, c'est pareil pour le mondial. Michele Ozio, qui est leader de cette classe devant Patrice Brunner. Yoling Racing Team. Salut au passage tous les membres du Yoling Racing Team qui sont dans le coin là. Une fois de plus, belle équipe. Avec Mario Falabretti qui ouvre le bal avec la Clio Sport dans un tout petit instant en L4. C'est Mario Falabretti justement qui est devant Samuel Conus. 3 petits dixièmes à l'avantage de Mario Falabretti. Voir comment ça se passe. Encore en régionaux, je disais donc Samuel Conus qui ne meilleure pas, mais un tout petit peu par rapport à sa première manche, par exemple, 29 millième, ça fait donc 6 Carapella, il est parti avec un de l'écurie performance s'élance au 2,22,301, c'est son meilleur temps. Ça lui fait un temps total de 4,45,316. Cinquième avec un temps total de 4,52,900, puisqu'il a fait sa deuxième montée de façon très régulière. Troisième montée en 2,26,036. C'est Ralph. La classe 1006 à 2 litres, Emmanuel Etoniac avec la Golf GLR dans un tout petit instant. Énorme. Hein.
Dans un tout petit instant.